personne qui veut renoncer à son certificat d'onction. L'ex-vénérable senior leader. Alors, la personne, elle est où? Tu es là. Est-ce qu'on peut amener un micro? Dieu sauve les âmes. Tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé? Oh, Dieu l'aime. Wow. Bonsoir, peuple de Dieu. Le frère venait de dire une parole qui est la stricte vérité, le Seigneur même. Amen. Ce certificat d'onction n'est que la dernière étape de son enseignement. Avant d'en arriver là, j'ai fait 22 ans dans le Bouti. Wow. Et ensuite, je me suis retrouvé là-dedans. Mais avant d'en arriver là, Dieu m'a fait beaucoup de signes. Il m'a permis, de, par mon travail, par le passé, de voyager partout dans le monde. Et par moments, il a essayé de me recadrer. Une fois, au Sénégal, proche du marché de Santaga, cherchant à courir après une femme, j'ai entendu tout d'un coup: arrête de profiter de la misère de mon peuple. Parce que j'avais beaucoup d'argent, je pouvais prendre qui je voulais et je pouvais, même avec mes paroles, prendre autant de femmes que je voulais. Dans la même ville, quelques mois plus tard, j'ai croisé quelqu'un dans la rue. On s'est croisé, on s'est regardé, on s'est croisé. Quelques pas plus loin, je me suis arrêté, je me suis retourné, lui également. Il est venu vers moi. On ne se connaît pas, j'ai dit non. Pendant une église, vous venez de quel pays? J'ai dit du Gabon. Lui également venait du Gabon. Il a pris une Bible, écrite Bible du semeur. Il l'a ouverte. Il a écrit à l'intérieur à un compatriote pour qui j'ai éprouvé beaucoup d'amour. Fraternellement, Hervé. Je n'ai plus jamais revu cette personne jusqu'à ce jour. Avant d'arrêter les 22 ans de Bouti, dans mon sommeil, en 2005, une voix, j'ai entendu une voix qui m'a dit beaucoup de choses, comment la société allait fermer, tout ce que j'allais traverser comme difficulté, comment j'allais rester sans emploi pendant un temps, et comment j'allais avoir un travail quand lui, il aurait décidé. Et j'ai demandé des signes. Il m'a dit: quitte de là où tu es, sinon tu mourras. J'ai demandé des signes, il me les a donnés, j'ai pu les vérifier par la suite. Et dans mon sommeil, le rêve finissait par: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Dès ce moment-là, j'ai commencé à me retirer doucement, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres événements qui ont tout accéléré. Et c'est après tout cela que je me suis retrouvé dans l'église du christianisme céleste. Il y a environ 3 ans et demi, j'ai suivi une de vos vidéos et ça m'a touché. J'ai appelé, j'avais eu un certain Karl, j'ai parlé avec lui. Ensuite, on s'est rencontrés au niveau d'Aouidji, on a discuté. Il m'a dit: mais il faut venir, on a une assemblée, on peut discuter. J'ai dit: non, je ne suis pas prêt. J'ai encore beaucoup de choses à faire là où je suis. Et étant là-bas, comme vous l'avez dit, Dieu m'aime. Parce que c'est en étant là-bas, sans certificat d'onction, sans aucun grade, pendant que le conducteur
lisait le psaume 72. J'ai entendu. J'étais prosterné parce que là-bas, on est prosterné face contre terre, les yeux fermés. Et j'ai entendu à mes oreilles, c'est de moi qu'il s'agit. Moi, Jésus-Christ de Nazareth que tu cherches. Et j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé autour de moi. Qu'est-ce que c'est? Je me suis remis en position prosternée. Et à nouveau, la voix a répété, j'ai ouvert mes yeux, toujours rien, mes yeux se sont remplis de larmes. Avant de suivre la vidéo, en lisant la Bible, parce que je suis resté sans emploi quasiment 2 ans, et comme Dieu m'avait dit, tu ne partiras t'envoyer quand moi je voudrais. Il y a un frère que j'ai connu dans le milieu Witi qui m'a envoyé, recommandé à Port-Gentil par la présidence de la République gabonaise. Je n'ai même pas participé au concours. Je suis arrivé là-bas le matin. Les autres avaient déjà commencé. On m'a dit, reste là où tu es. L'après-midi, on a proclamé, je t'ai admis. Mais on ne m'a jamais plus rappelé pour aller commencer le travail, jusqu'à ce jour. Et dans mon sommeil, j'ai à nouveau entendu, tu repartiras travailler quand moi j'aurai décidé que tu repartes travailler. Et voilà qu'en lisant la Bible au quotidien, parce que là j'avais tout mon temps, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à me choquer, qui étaient contraires à l'évangile, mais qui faisaient partie des préceptes de l'Église. Et Dieu merci, là-bas on donne la possibilité, dès qu'on a, on a un premier grade, de prêcher, de conduire le culte. Et j'ai commencé à prêcher ce que je sentais, comment je voyais les choses par rapport à la parole. On a essayé de me réprimander, me dire non, c'est pas ça, arrête ça, sinon on va te chasser d'ici. Mais je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas... Ceux qui me connaissent depuis tout petit jusqu'à maintenant savent que je suis difficile à gérer. Je n'aime pas comment faire. Et donc, ça a continué jusqu'à ce jour. Dimanche dernier, c'est moi qui ai conduit le culte. De la façon que je ne l'avais jamais faite. Et le dimanche d'avant, j'ai prêché sur le pardon. Et ça, à la fin, on ne t'avait jamais entendu parler comme ça. Je ne savais pas que c'était la dernière fois. Et je devais venir, je vous ai appelé le dimanche, je crois, ou le lundi, sans savoir que j'étais en direct. On m'a dit, ah, non, 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 vous êtes en direct. J'ai dit, non, non, je veux une Bible. Je veux une Bible révisée. Vous m'avez dit, non, il faut venir à partir de mardi, à 16h. Vous pourrez avoir soit l'exemplaire papier, soit la clé USB avec une clé USB. On peut vous télécharger ça. Malheureusement, l'endroit où Dieu a voulu que j'aille maintenant travailler, parce que, bon... Je suis resté un temps et ensuite il a permis que je me retrouve aujourd'hui à un endroit où, bon, malheureusement ou heureusement, c'est selon. Dès que je suis allé commencer à travailler là-bas, tous ceux qui m'ont vu et pourtant assis pendant 2 ans sans rien, on dit que c'est fini, je suis rosicrucien, je suis franc-maçon. Parce que, paraît-il, au trésor public du Gabon, il faut être franc-maçon ou rosicrucien pour y travailler. Ce qui est complètement faux. Et donc, je suis resté travailler. Mardi, je n'ai pas pu passer. Mercredi non plus. Et jeudi, j'ai fait le forcing. Je suis venu jeudi. Je suis venu vendredi. Et aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je vienne. Hier, je ne me sentais pas... Hier, je suis rentré. Je n'ai pas beaucoup dormi. Vous vous en doutez bien, parce qu'avec tout ce que vous avez dit hier... Donc ce matin, je me suis levé, j'ai nettoyé les soutanes qui étaient sales, les sangles qui étaient sales, j'ai tout mis à la corde, je les ai laissés assécher parce que j'ai prévu tout attacher et puis parce que cette vie-là, elle est passée. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui avec mon certificat d'onction pour terminer avec tout ça. Donc je suis parmi vous, vous allez devoir me gérer, je vais être difficile. Le Seigneur va t'aider. Amen. Sois le bienvenu chez toi, au nom de Yeshua. Je crois que tu vas faire des dégâts dans le royaume de l'autre. Gloire à Dieu.
Ça, dès mardi prochain, je vais faire une émission sur TV de vie pour parler de tout ça. Vraiment, c'est un témoignage qui me touche. Amène-la moi ici. Là.